Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. L'ouvrir, c'est ce qu'ont décidé de faire trois jeunes bruxelloises. Depuis un an, elles placardent les rues de la capitale avec un message: laisse les filles tranquilles. Nous, on n'a jamais eu l'impression de sentir soutenue, aidée ou quoi que ce soit, ou même comprise déjà de base. Du coup, c'est vraiment sorti d'un cri de ras-le-bol et à ce moment-là, on a décidé de prendre les choses en main. Pour lutter contre le harcèlement, le collectif propage son message sur des lieux spécifiques, comme sur ce chantier où des filles sont venues se plaindre de harcèlement. Un espace public dont il est temps de repartir à la conquête, selon cette ASBL qui lutte pour l'égalité. Si on veut combattre le harcèlement dans l'espace public, on doit combattre le sexisme en tant que système. Donc ça passe évidemment par plein de choses en fait, hein, par l'aménagement de l'espace public, mais aussi par l'éducation, par la façon dont on en parle dans les médias. Seulement, le harcèlement de rue et les violences sexistes ne touchent pas uniquement les filles, et ça, le collectif l'a bien compris. Tout le monde est touché, et surtout la communauté LGBTQI. On a plein d'amis qui sont concernés, et des amis homosexuels qui nous ont même fait la réflexion, ne sachant pas que c'est nous. Oui, pourquoi il n'y a pas une phrase « laisse les gays tranquilles » Du coup, on a tout de suite lancé l'idée d'élargir la communauté, de pas que parler des femmes. Le collectif ne compte pas s'arrêter là et commence bientôt des ateliers de sensibilisation dans les écoles.